Ici le nouveau PDG de Mojang. Bonjour à tous les mecs, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés qu'il va y avoir dans la nouvelle version Minecraft 1.20. Est-ce que vous vous sentez prêt là mes employés là? Ah bien le bonjour hein. Non mais t'es débile ou quoi toi? Je t'ai demandé si t'étais prêt, je t'ai pas demandé bonjour. Bon tant pis, faites comme si t'en étais. Du coup bah bon les mecs, je vais vous mettre mon petit PowerPoint. Vous allez voir, c'est une masterclass. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh wow. Ma présentation. Oh wesh. Mais oui. Quoi ajouter sur Minecraft? C'est la petite présentation bah qu'on va avoir aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. C'est les petites nouveautés que bah on compte ajouter chez Mojang dans la 1.20. Non la 1.21, la 1.20 elle a déjà été annoncée mon cher Aspaz. Oui. 1.21, c'est tout, c'est bien sûr, je m'y connais en Mojang. Bon, les mecs, je ne savais pas. Au fait, petite pause, les mecs, merci à ces 5 mecs qui viennent de s'abonner, c'est les boss. C'est vraiment les meilleurs, donc n'hésitez pas à faire comme eux pour passer à la prochaine vidéo. Bon, alors, on va procéder par contre à la première présentation. Donc, boum, le menu. La première modification va modifier le menu, comme toujours. Waouh, il est bien. Donc, on a préparé, on a une petite idée. Je donc, sais quoi. Comme vous, vas-y. Je pense qu'il faut enlever la pomme d'or et mettre un Quay Burger cheaté. Non, ce n'est pas ça du tout. Je vous explique. En gros, y a une grande modification par version. Genre, en 1.16, c'était le Nether. En 1.18, les caves, etc. etc. Et bah, cette fois-ci, c'est la Huggy Wuggy Update. Oh, j'y avais pensé. J'y avais pensé. C'est une bonne idée. C'est un boss. Ah, c'est. Non, mais imaginons le Warden. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout du Warden? Mais oui, c'est trop nul le Warden. Tout n'a rien à faire. Qui l'a déjà croisé? Absolument personne. Alors que. Yugi, là ça fait rêver. Surtout que bon les mecs. Suivant news. Attention, j'ai rajouté des petits détails d'ailleurs, je vous ai pas précisé, regardez-moi ça. On peut rajouter des nouveaux splash tests. En tout cas c'est bien en HD, franchement j'aime bien. Ouais bah c'est une version test, ferme-la. Fait peur mon dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, Huggy Wuggy fait peur mon dieu. Bah oui, il fait extrêmement peur. T'as pas peur de Huggy Wuggy toi? Si. Ferme-la, il fait hyper peur. T'as peur de Huggy Wuggy? Ah, tu vois, ah, il dit tellement il peur. Rien de dire Huggy Wuggy là. What the fuck, c'est qui ce mec? Tu vois, ça fait peur. Ça fait peur. C'est moi. Je vous ai dit que ça fait peur. Donc on va rajouter ça au truc. Sans que bon, suivant mob, nouveau boss. On va rajouter un boss. Je pense que vous en doutez, c'est qui? Monsieur, je vois le menu là, monsieur. Je pense, je suis désolé, mais là il faut casser et remettre. Hein. Ah mais c'est insupportable là, les écrans ça coûte cher. Donc bon, le nouveau boss qu'on va ajouter, je reprends ma présentation. Arrêtez de me couper. Hein? Il fout lui. Donc nouveau boss, Huggy Wuggy. Bon, il fait vraiment pas peur celui-ci, hein. Franchement t'aurais pu prendre mieux. Hein. Ah ouais. Par contre, ça a l'air terrifié là en plus sur l'image. Horrible. Mais la qualité. Pourquoi à droite il y a un truc. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Je vous montrerai c'était quoi dans l'image originale au montage. Boum, si mon monteur arrive à trouver l'image. En tout cas, bah voilà, je pense que ça fait peur. C'est une image prise du jeu, hein. Prise du jeu, du nouveau Huggy Wuggy ajouté au jeu. Merci aux développeurs d'ailleurs. Merci aux développeurs, c'est-à-dire absolument moi en fait. Bon, en tout cas, troisième nouveauté. Nouveauté de fou. Bah vachement, ça me. Waouh, je viens d'apprendre quelque chose là, waouh. Mais non, c'est pas. Ah, c'est trop bien. Mais ferme-le, je te dis, ferme-la toi. Ok. Il veut quoi lui? Regarde, la nouveauté, elle est hyper simple. La nouveauté, c'est quoi? Vous voyez les tables d'enchant? En fait c'est un peu gaze actuellement et vous allez comprendre pourquoi c'est nul. Parce que bon on ne peut pas lire. Du coup bon on va profiter des villageois. Vous voyez ça c'est un villageois par exemple. Ouais. On sait toujours pas où tu veux en venir hein. Vous ne savez pas où je veux en venir, vous allez comprendre. Les villageois actuellement ils sont un peu inutiles. Ouais. Non. Si ils sont bien inutiles. Non ils sont très utiles hein. Franchement si. Attends pose. Ils servent à quoi? Bah tu les mets dans la cave, tu peux échanger plein de trucs avec et tout. Tu vois c'est nul. Bon bref, en gros du coup on va faire quoi? Les villageois ils ont parfois des maisons remplies de bibliothèques, n'est-ce pas? Ouais. Ah bon, ouais sûrement. Ouais. Franchement oui, et du coup, on va pouvoir, grâce à ces bibliothèques, apprendre à lire le langage villageois. Oh, ça me fait chier ça. Mec, c'est une nouveauté de fou. T'imagines? Vous imaginez pas? Imaginez, du coup, vous pourrez parler avec vos potes dans le langage Minecraft. T'imagines? Oh, la chance. Tu pourras apprendre le langage Minecraft dans Minecraft. Et boum, imagine-toi cette conversation de fou. Oula, on est au Qatar là. Bah, si tu veux savoir ce qu'ils se disent, faut suivre les cours. Faut suivre les cours, franchement, sur les cours. Il y a forcément un mec qui va décoder dans les commentaires là. Non, il faut avoir l'enchantement traduction. Non, pas l'enchantement traduction, faut apprendre. Apprendre soi-même et tu pourras parler avec ces villageois. On pourra apprendre. C'est une nouvelle langue. Au lieu d'apprendre des langues utiles, on va apprendre mon CV, du coup, on peut dire que tu parles espagnol, français et enchantement. Voilà. Et bon, nouveau moyen de transport, les mecs. Suivante nouveauté. Waouh, c'est trop bien. Tu sais même pas c'est quoi. Pourquoi tu dis c'est trop bien, toi? C'est un suceur, merde. Lui. Je pensais que c'était juste le. Tu veux trop augmenter, toi? Ouais. Ouais, je vais te virer. Non, c'est incroyable là. Ça c'est nul comme moyen de transport. Non, mais c'est pour m'asseoir. Bon, et toi c'est pour faire quoi? Wesh, vous faites quoi là? Il est en train de m'asseoir, mais dégage. Ouais, deux dans la même wagon. Oh, tu fais quoi là? Vous passez du bon temps. Dégage. Non. Amusez-vous bien ensemble. Oh, le dégueulasse. Qu'est-ce que t'as fait? Et voilà, comme mon cardiaque de voiture. J'ai senti un léger. Bon. Ouais, c'était mon épée, je pense.
Ah bah il tombait tout seul monsieur. Bon bref, faites comme si de rien n'était. On va pouvoir passer au moyen de transport. Moyen de transport, nouveau moyen de transport, boum. Ça c'est trop gaze. Ouais c'est pour nul. Pour voler, c'est trop gaze. Je sais pas l'utiliser. Ça c'est trop gaze. Ça c'est trop gaze je crois. Il a dit. T'as vu, ça c'est vraiment nul. Du coup bon. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on propose à la place? Boum. Jetpack. Ah comme dans GTA. Comme dans Jetpack non. Jetpack Joyride. Comme dans ouais comme dans Jetpack. Imagine, ce serait stylé. Je pourrais voler avec mon propre jetpack. En plus ce serait bien plus maniable comme ça à peu près. Moi je trouve ça nul. Parce que non c'est nul c'est nul. Parce que si tu fais une ref Huggy Wuggy, pourquoi ne pas mettre le train de Huggy Wuggy? Mais on peut le mettre aussi, mais le train de Huggy Wuggy sera dans la version 1.21. Ok. Bon, en tout cas, on va pouvoir passer à suivant truc à présenter. Donc bon, un nouveau portail. J'ai eu beaucoup d'abonnés rageux qui m'ont fait que de me dire ouais, Aspaz, nous ce qu'on veut, c'est ce portail. Voici par exemple un commentaire d'un mec qui m'a demandé ça. Personne lui a dit ça. Tout le monde a demandé, regarde, la preuve, il y en a plein là, des commentaires de gens qui m'ont demandé. Aucun commentaire, hein. Étonnamment, c'est un commentaire de Da25. J'espère qu'il en met qu'un seul, le monteur. Non, il y en a grave, il y en a grave, t'inquiète pas. Bon, alors, du coup, nouveau portail, qu'est-ce qu'il a proposé? Oh, non. Boum. Ah, ça c'est original. Non, c'est original ça, c'est une vidéo de sport extra là. Après ça va dans un monde de nuages. Ça va dans un monde extrêmement gaze. En gros ça va dans le monde Huggy Wuggy. Oh non mais c'est vraiment nul hein. Mais mec, c'est une bête d'idée, tu devrais être contente. On savait que le rachat de Mojang c'était pas fou mais là c'est encore pire hein. Mais non. Et bon, suivante news. Non ça c'est chiant ça. Vous voyez ces 4 photos? Tu veux boire la vache? Qu'est-ce que... Non mais non, je veux pas boire à X-Kill Gamer, non. Faites comme si de... Mais arrêtez de vous concentrer sur le pseudo des mecs s'il vous plaît. Faites attention et arrêtez de vous concentrer sur le mode des mecs. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces 3 photos là et celle-là? Bah PS4. Non. Xbox. Non. Nintendo Switch. Non. La on voit le ciel. Mais frère, c'est pas une console. Sur le truc Minecraft, on voit le ciel. Non, bon, laissez tomber. En gros, qu'est-ce que c'est? Là, on est obligé de boire pour survivre dans la vraie vie. Là, non. Du coup, bon, petite idée. Non, c'est chiant, obligé. Ça. Non, ça. On est obligé de boire, sinon on finit mort comme ce mec. Oh, c'est un style à la base. Il l'a pas vu pendant longtemps. Vous en pensez quoi de ce rajout? Non, c'est la merde. On rajoute un peu chiant pour un peu énerver les joueurs. Ah oui, non, c'est chiant. Non, franchement, bonne idée. Ah non, non, non. Bah, vous en pensez quoi? C'est quoi, faire un sondage? Mets une pétition dans la description. Il y aura pas de pétition, mais il y a une pétition dans les commentaires. Mettez en commentaire oui, je veux, oui, je veux pas. Bon, en tout cas, on va pouvoir passer à la suivante news. La 8. Oh, comme c'est 8, comme chez Baba. C'est vrai que c'est la chaîne où il y a Cyril Hanouna. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Forcément la meilleure. Une boutique dans les villages. Regardez, on va s'inspirer de ça. Comme par hasard, une boutique de Pac-Pac quand on parle de Cyril Hanouna. Serais-tu pas raciste? Aucun rapport, qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, c'est vrai. C'est malade. Il s'appelle le Village Store, c'est pour ça que j'ai pris lui. C'est le store qui rentre dans les villages. Et oui, le village est fermé la nuit, le store Village Store. Hein. Et on peut acheter quoi dedans? Bah, comme tu peux le voir, tu peux acheter de la bouffe pour chiens et pour chats, parce que nos chiens et nos chats, ils ont... On peut acheter des alamis. Il y a ça dans Moundir et les apprentis aventuriers. Ah, mais il y a quelqu'un dedans qui fait ses courses. Quoi? Il y a une dame qui fait ses courses dedans. Ah oui. Il y a un villageois qui fait ses courses. On pourrait les braquer comme dans GTA. On pourrait les braquer, oui, c'est vrai. Ouais, pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'on trouve plus de choses bien que le mec qui fait le PowerPoint. De quoi? Faut nous convaincre, nous, pas toi. Fermez-la. Franchement, ça peut être sympa. Tu peux acheter de la Javel, du Calorgas. Bref. Nouveau nom. C'est nul ça, c'est pas original. Pourquoi t'as changé la texture du jeu? Mais je parle pas de Herobrine, je parle du mec en fond. Ah, my bad. Oh oui, un Among Us dans les villages. Un villageois méchant. C'est absolument pas ce que je viens de présenter. Vous en pensez quoi, franchement? Qu'est-ce qui mate là? Pourquoi t'as changé toutes les textures du jeu? Mais ça, c'est ce qu'on appelle communément un pack de textures. Oh, je connaissais pas. Ferme-la. Ouh. Vous en pensez quoi de ce mob? C'est de la merde. C'est bien. Non, c'est très mauvais. Vas-y, suivant. Oui, 10. Allez, slide. Ok. Nouveau mob. Mais c'est bon, une miniature. Là, non, mais là, il veut que Twinner, Diabolofit, Lined et Aspaz, on devienne au top de YouTube, là. Ah, bah alors, on va pouvoir faire des bonnes vidéos, à mon avis, avec notre nouveau mob, Giant. On va pouvoir en faire des vidéos sur lui. Pourquoi c'est la seule image en bonne qualité? Bah, je sais pas. Bah, si, il y avait le Village Store aussi en bonne qualité. Oui, mais bon, il y a quand même le Shuttermark, ou je sais pas comment ouais, on appelle ça. Ouais, il y a le Shutterstock, là. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a des petites. Je vais peut-être voler cette photo, on va pas se mentir. Bon, du coup, vous en pensez quoi de Giant Alex? J'adore. Tu kiffes? J'adore. Ah bah cool. Ah, j'adore. Bon bah du coup voilà, j'espère que ça, enfin j'espère que ça vous a plu. Faire plus pour ceux qui ont moins. Wouhou, ça c'est mon slogan. C'est quoi ta citation? 2018, faut se mettre à la page monsieur Macron. C'est ma citation. Ah, j'espère. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. Non, arrête de te moquer de moi frère. Un petit retour. Quel est votre ajout préféré actuellement là? Bah déjà c'est pas celui-ci, ni celui-ci. Ouais. Non. Bah y a pas grand-chose hein, franchement non. Ouais, t'es malade. Mais tu veux quoi? Mais bon, bref. En tout cas, les mecs, bah j'espère que ma présentation vous a quand même plu. Les mecs, dites-moi en commentaire quel ajout vous voudrez voir. Abonnez-vous tous. Oh, il a tape. Salut les mecs.